Qu'est-ce qu'une protéine ? Les protéines sont des molécules constituées par une suite, on dit une séquence, d'acides aminés. Elles représentent plus de la moitié de la masse sèche d'une cellule. Elles ont des rôles très variés et surtout très importants qui déterminent la fonction et la structure des cellules. Par exemple, les enzymes de la digestion, la mélanine donnant à la peau sa couleur, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. Il y a 20 acides aminés différents dans le monde vivant. Les acides aminés sont des molécules formées d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote et ont tous une composition différente, une taille différente, des affinités différentes les uns pour les autres. Comparaison de la composition en acides aminés de deux protéines, la caséine du lait et l'élastine de la peau. L'organisation dans l'espace des acides aminés de la séquence d'une protéine détermine la forme de la protéine et donc sa fonction. Reprenons la caséine et l'élastine. On voit très bien que leur forme est très différente, donc leur fonction sera très différente.